Nous vous conseillons d'utiliser un casque audio afin de mieux entendre les preuves captées lors de cet épisode, en vous souhaitant un bon visionnage. Chasseurs de fantômes, enquêteurs de paranormal, les Ghostbusters. C'est comme ça que certaines personnes nous appellent. Nous nous rendons dans ces lieux censés abriter des entités, des fantômes. Avec le temps, nous nous rendons compte que malgré le sujet tabou, les personnes que l'on rencontre aimeraient participer dans nos investigations. Mais ce n'est pas un jeu, c'est même dangereux. Des lieux délabrés, ou bien des personnes qui vivent un cauchemar quotidien. Notre objectif, prouver l'existence du paranormal. Mais le paranormal peut aussi nous atteindre. C'est pour cela qu'il faut savoir se protéger. Mais si ces entités ne nous atteignent pas, comment pourrait-elle nous atteindre? Et si elle s'attaquait à vos proches? Ok, donc on se retrouve pas pour un épisode. Je devais pas filmer, j'avais dit que je ne filmerais pas et en fait je vais filmer. C'est un combat, on va dire, entre guillemets personnel, qui peut très bien se passer comme il ne peut pas très bien se passer. Est-ce que c'est suite à toutes les investigations que ça s'attaque à mes proches? C'est une bonne question, c'est ce que je vais essayer de savoir. Donc en fait, je me trouve chez mes parents et il se passe des choses pas très normales. Bon, ça fait quand même un moment que ça dure. Et en fait, j'ai décidé quand même de prendre le cas personnel, donc j'agis seul. Je sais pas si ce sera diffusé, mais voilà. Voilà, donc l'objectif c'est de savoir qu'est-ce que c'est et... quand même dans... Je vais quand même purifier les lieux. Donc du coup, voilà, on est en plein jour. Je suis pas là pour attendre la nuit, non. C'est voilà, là j'agis, y a personne, j'en profite. Donc c'est parti. Donc ce qu'il va falloir faire attention, c'est que voilà, là, on peut voir le chien caché, qui réagit bizarrement. Et il y a aussi cet petit oiseau, qui lui aussi par moment a des réactions assez bizarres, il a peur alors qu'il n'y a rien. Donc du coup je vais m'occuper de tout ça. Je vais mettre les écouteurs dans un premier temps. Voilà, je viens de mettre les écouteurs, c'est vrai que... On entend mieux, donc je suis seul ici. Alors généralement le chien dort ici, et il a tendance à avoir son regard ici. Donc, on va déposer ça là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait manifester sa présence, s'il vous plaît? Approchez-vous de l'appareil noir. Est-ce qu'il y a une présence ici qui voudrait... discuter avec moi. D'après des médiums, il y aurait un message à faire passer. Et je suis là justement pour savoir quel est ce message. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous approcher de cet appareil ou faire un bruit, s'il vous plaît?
Est-ce que le fait qu'il y ait des gens ici vous dérange? Alors, on va aller... Ah, c'est normal. On va aller faire un tour en bas, ou là où toutes les personnes se sentent mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je viens d'y avoir un bruit à l'étage. Comme si quelqu'un posait quelque chose. Et ça arrive souvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait s'approcher de moi, de l'appareil que je tiens dans les mains, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire un bruit? C'était l'oiseau. Il y a des bruits. Après, il y a du vent dehors, ça peut être la porte. J'entends comme une horloge. Donc vous devez certainement l'entendre, j'entends qu'aux oreillettes. Seulement, l'horloge est censée venir d'en haut et non d'ici. Vérifier en bas. Coucou le pio, je suis là, t'inquiète. Alors, j'ai posé la caméra là, je vais voir. Parce que s'il y a la grand-mère, elle va se poser des questions sur ce que je fais. Je reviens. Donc je viens d'aller en bas. Et il n'y a personne. Donc on va y retourner de suite. Je vais prendre le détecteur. On va aller checker ça de suite. Allez, je coupe pas. Je remets juste les oreillettes. Voilà. Faut que je me bouge le cul aussi. Donc si j'arrive juste à avoir un petit bip-bip et après on passe à la spirite, ce serait bien d'avoir le message. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il peut faire un bruit, s'il vous plaît? Ok, ça venait de la porte, là. Savoir que derrière, c'est une salle de bain. Qu'il n'y a pas d'aération, enfin, il n'y a pas de volet ni rien, pas de courant d'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il peut faire un bruit, s'il vous plaît?
Avez-vous un message à faire passer? Si c'est oui, approchez-vous de cet appareil. Tout est fermé. Comment ça se fait? Pourquoi cette porte claque? Revenons sur les deux derniers bruits. En premier lieu, je suis attiré par un bruit dans la salle de bain. Une fois dans celle-ci, un premier bruit se fait entendre. Mais celui-ci peut être dû par la porte touchant le mur lorsque je l'ouvre. Le deuxième, il s'agit de la porte de l'escalier que je n'ai pas claquée. Cela pourrait provenir d'un courant d'air, mais toutes les portes et fenêtres de la maison sont fermées. Difficile de penser donc à un courant d'air. Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît ? Il paraît qu'il y a un petit garçon ou une petite fille qui serait ici. Est-ce qu'il serait possible pour vous de faire un bruit? Ou pour toi, si on peut se permettre de se tutoyer? S'il te plaît. Je ferme la porte. S'il y a effectivement un enfant ici, est-ce qu'il pourrait s'approcher de cet appareil? S'il te plaît, c'est inoffensif. Je suis venu ici aujourd'hui pour t'écouter. Tu as certainement un message à faire passer. Je t'écoute. Est-ce que tu es bien ici avec moi? Si c'est oui, approche-toi du boîtier noir, s'il te plaît. Il paraît que tu as un message à faire passer. Moi, je suis là pour t'aider à passer de l'autre côté. Est-ce que tu veux passer de l'autre côté? Si c'est oui, approche-toi de l'appareil. Est-ce que tu veux rester ici alors? Sans réponse de ta part, je vais devoir purifier les lieux ici. J'entends des bruits dans la caméra. Je sais pas si vous avez peut-être entendu le truc comme ça. Le chien est bien couché, l'oiseau là-bas, ma foi. S'il y a quelqu'un ici, est-ce qu'il peut s'approcher de l'appareil noir, s'il vous plaît? Bon, on va passer à la spirit direct. Alors pour l'anecdote, la première fois que j'ai testé la spirit box ici, quelque chose a dit à Tita, alors est-ce que ma présence vous dérange? Ça a répondu oui. Y a-t-il quelqu'un? Avez-vous un message à faire passer?
Je suis ici pour écouter vos messages. Je ne veux aucun mal. Sauf si vous êtes quelque chose de mauvais. La maison va être purifiée. S'il y a un petit garçon ou une petite fille, sache que tu n'es plus de ce monde. Je ne sais pas si tu en as conscience. Tu dois pouvoir voir cette lumière. Franchis cette lumière. Pas celle de la caméra. Tu dois voir une lumière. Si tu passes cette lumière, tu vas passer de l'autre côté. Tu ne veux pas passer de l'autre côté. Il y a eu deux boules. Est-ce que tu es bloqué? Un coup pour oui, deux coups pour non. Et tu es toujours là. Suite à ces derniers bruits et d'une ambiance devenant oppressante, je suis passé à la purification des lieux. Une maison chargée de secrets qui souhaite les garder. Serait-ce dû aux enquêtes de l'émission qui s'attaquent à mes proches, ou bien simplement des entités présentes depuis bien longtemps ?